Shenko, ne quittez pas, s'il vous plaît. Bobby, il faut que je vous voie tout de suite. Tiens, professeur, quoi de neuf? Ne me dites pas que les cinglés de votre groupe de recherche sur les complots ont enfin découvert qui a tué Kennedy. Vous étiez moi et les Spectures quand vous étiez mon étudiant. Je dois vous voir immédiatement. Je vais dire à Janet de nous fixer une date pour dîner. Je serai content de vous voir. Ça ne peut pas attendre, Bobby. Il faut que je vous voie aujourd'hui. Quand peut-on se rencontrer? Si vous avez un problème, dites-le moi maintenant. Je m'en occupe. Ce n'est pas quelque chose dont je peux parler au téléphone. Je serai chez moi vers 10h. Passez, on parlera. Entendu. J'aimerais avoir plus de preuves, les données, les rapports de surveillance, les noms. Tout ça est incomplet. Vous n'avez qu'à convaincre Bishop. J'espère qu'il saura où chercher. Mon Dieu, ça me terrifie. Très bien, Neil. Continue à chercher. Voilà. Allez,
toi. À toi, Bobby. À toi. Oui. Oh, merde. Allez, sortis, vite, vite, vite. Temps mort, messieurs. Mais qu'est-ce que t'as foutu, là? Bishop. Je veux pas savoir. J'arrive immédiatement. Bobby, ton pote, il aurait pas du boulot pour nous? Je vais lui soumettre ta demande dès la fin de ton contrat avec les boulettes. Horrible. Les gars, à samedi. Et vous m'appelez à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'incontournable Bobby Bichon n'est pas au courant, c'est la meilleure. Laissez-moi deviner, vous avez jeté un œil sur son discours de lundi prochain, et ça va un peu plus loin que prévu. Un peu plus d'égard à l'expression que j'aurais employée. La presse va nous arrêter. Tout le monde est déjà là, dépêchons-nous. Bonjour, monsieur le vice-président. Madame. Bobby. James. Robert. Charles. Bobby, il a passé toute la journée à travailler sur ce discours. Il veut des changements, de gros changements. Mais ce qu'il veut est trop radical, c'est d'une trop grande portée. Ça va semer la panique sur les marchés financiers. Il veut geler tous les contrats publics et, outre cela... Faire des coupes sombres dans les budgets de la défense. Des millions de personnes vont se trouver au chômage du jour au lendemain. Vous savez quelles seront les conséquences sur la bourse? Évidemment. Il a programmé un véritable désastre. Et pour le pays, c'est beaucoup trop d'une seule fois. C'est un cauchemar pour un conseiller en relations publiques. Depuis sa réélection, il n'écoute plus personne. Son attitude est devenue soudain incompréhensible. Il refuse de reconnaître que de telles réformes ne peuvent se faire qu'étape par étape. Sinon, avant d'avoir pu expliquer quoi que ce soit à la nation, nous serons massacrés par la presse. Et pour tout arranger, ce fameux discours a été communiqué au Herald. Communiqué à qui? Amanda Givens. Cette sempiternelle emmerdeuse. Cette jeune personne est notre bête noire. Où est-il en ce moment? Dans son bureau. Et il a demandé à ne pas être dérangé avant le dîner. Je vais aller le déranger quand même. Bobby est la seule personne qui l'écoute. Qu'ils aillent se faire foutre. Ces trouillards bureaucrates. Ils croient que ça va enterrer le parti. Vous êtes de cet avis? Je pense que c'est risqué. Un bouleversement aussi radical peut faire chuter les marchés. Vous n'en savez rien. Enfin, c'est possible. Mais s'il y a une baisse, ça ne sera que temporaire. Je suis persuadé qu'à long terme, ils en sortiront renforcés. Bobby, au cours de mon premier mandat, j'ai écouté les experts. Je n'ai rien bouleversé. Aujourd'hui, je ne veux plus attendre. N'avez pas à me convaincre, mais vous aurez du mal à obtenir l'accord du Congrès. Il ne me reste plus que 4 ans devant moi. Si le Congrès décide de faire obstacle, je suis prêt à me battre. Si je perds la bataille, j'aurai au moins essayé. Dois-je vous rappeler le nom du collaborateur qui m'a aidé à rédiger ce discours ? On est sans doute plus audacieux quand on aborde une campagne présidentielle avec 14 points de retard et une demi-bouteille de scotch dans l'estomac. Je viens d'apprendre qu'il y a eu une fuite en direction du Herald, et dès la publication de votre projet, il y a de grandes chances pour que l'opposition vous massacre avant que vous ayez eu le temps de vous organiser.
Laissez-moi étouffer l'affaire pour l'instant. On ne surprend pas un ennemi qui vous a vu approcher. De combien de temps voulez-vous que je reporte ce discours ? Quelques jours, monsieur, c'est tout. C'est entendu. Bien, je vais leur annoncer. Alors, il accepte de reconsidérer la question pour le moment. Vous croyez pouvoir étouffer l'affaire ? Le Herald est mis sous presse dans 2 heures, le mal est fait. Comme vous le dites si bien, il nous reste 2 heures. Eh ben, c'est pas suffisant. Ça me suffit, sauf si vous me faites perdre mon temps. Votre protégé est un petit con prétentieux. Un petit con, vous trouvez ? J'avoue que j'ai quelques difficultés à très bien distinguer les petits cons des grands parmi ceux qui m'entourent. Excusez-moi. Le Washington Herald ? Monsieur le sénateur Joseph Powers voudrait parler à Amanda Givens. Mademoiselle Givens est en rendez-vous extérieur. Un instant, s'il vous plaît. Bobby, elle est en rendez-vous extérieur. Vous portiez cette cravate hier. Oui, là, c'était hier. Mademoiselle Givens n'honore plus ses rendez-vous avec les sénateurs des États-Unis. C'est un scandale. Je regrette, monsieur, mais Amanda Givens n'est pas à la rédaction. Elle fait une interview du député Page. Elle est avec Nate Page, ce vieux serpent. Apportez-moi son dossier, s'il vous plaît. J'y vais. Dites à Mademoiselle Givens que nous sommes extrêmement mécontents. Je lui dirai, monsieur. J'ai ce qu'il vous faut. Ouais, je sens déjà l'embrouille. Dites au service de presse d'organiser une conférence à 18h45. Je veux que tous les correspondants soient là. Je veux le grand jeu. 18h45, c'est trop juste. Le Herald sort à 20h. On a largement le temps. Assurez-vous qu'Amanda Givens sera là. Très bien, très bien. Je m'en occupe. Service de monsieur le député Page. Puis-je vous aider ? Yo, ici le docteur Schmenke. Passez-moi, monsieur le député. Il faut que je lui parle tout de suite. Il est dans la salle de commission 1312. Dankeschön. Bureau de Robert Bishop. Bobby Bishop, s'il vous plaît. Donna pas de lieu les prochaines fois. Monsieur Bishop est absent. Il sera de retour dans la soirée. Je vous en prie. Il faut que je lui parle immédiatement. Ça ne peut pas attendre à ce soir. Je vous en prie. C'est très important. C'est une question de vie ou de mort. Je regrette, professeur. De son retour, je lui fais part de votre appel. Et je... Monsieur Page, quelle coïncidence. Coïncidence ? Oh, très sincèrement, j'en doute fort, monsieur Bishop. Le prochain discours du président ? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, monsieur Bishop. J'en ai aucune idée. Dans ce cas, vous n'êtes pas au courant non plus de la fermeture d'une base militaire que je vais soumettre au Pentagone lundi prochain ? Elle se trouve justement dans votre circonscription. Encore une coïncidence, je suppose. Évidemment, la suppression de 30 000 emplois, ça vous brise une carrière de député. Vous perdez votre temps en cherchant à m'intimider, monsieur Bishop. Bien, la décision vous appartient. Pendant que j'y pense, vous vous envoyez toujours votre directrice de campagne au Marriott de Crystal City. C'était la chambre 327, me semble-t-il. Je serais navré qu'il y ait d'ici lundi une nouvelle fuite. Salut Mike. Monsieur Bishop. D'après certaines rumeurs, le président projette de faire des réformes radicales au cours de son second mandat. N'avez-vous pas dit que c'était des rumeurs ? Le président présentera son projet pour les 4 prochaines années quand il sera prêt. Et je vous garantis que son programme sera rationnel et non radical. Question suivante. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Washington Herald a appris de sources fiables que très prochainement, le président voulait geler tous les contrats commerciaux commandés par l'État. Bah, excusez-moi, mademoiselle. Voilà encore une rumeur aberrante à laquelle je voudrais mettre un terme. Je m'appelle Amanda Givens et comme je vous l'ai déjà dit, monsieur Bishop, nous le tenons d'une source très bien informée. Monsieur le député,
Voulez-vous répondre ? Je suis très heureux de prendre la parole et d'apporter un démenti. Merci, Bobby. Je sors d'une entrevue avec le président des États-Unis et il m'a assuré que malgré nos légères divergences de vues, à partir de maintenant, les affaires vont reprendre comme d'habitude. Je suis donc rassuré. Oui, Bobby. Question suivante. Ce petit con, je vais lui offrir un verre. Bonsoir, Robert. Monsieur le député Colbert. Ravi de vous voir. Moi aussi. Excusez-moi. Monsieur le sénateur. Bonsoir. Comment allez-vous? Vous compter sur notre soutien. Vous avez fait passer le projet de loi? C'est voté. Parfait. Bonsoir, vous allez bien? Oscar et Bertha. Bonsoir, Robert. Je suis content de vous voir. Mon Dieu, quel grand personnage vous êtes devenu. Je vous revois en train de coller des enveloppes et je jurerais que c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Merci. Vous devriez goûter la vodka que nous envoient les Finlandais. Elle est fantastique. Deux verres cul sec et vous êtes Éric Legrand. Éric Legrand n'a pas vécu jusqu'à 60 ans. Quant à moi, je suis en pleine forme. Tout simplement parce que toute ma vie, je me suis limité à savourer très lentement des valeurs sûres. Manger de la tarte aux pommes, faire l'amour dans la position du missionnaire, et partir sur votre voilier dans la baie de Chesapeake. Je vais vous dire, Bobby, quand je navigue dans la baie, tout ce tas de boue que nous devons fouiller chaque jour uniquement pour empêcher ce pays de sombrer, je m'en libère. Je regarde là-bas, vers la côte, et mon esprit est clair. Clair comme de l'eau de roche, et j'ai l'impression de redécouvrir la Virginie, comme si elle n'avait jamais changé. Seigneur, on dirait du Thomas Jefferson. Ah, Jack, on les a bien eus aujourd'hui. Grâce à vous, Bobby. Le premier qui trouve la bonne formule est le plus fort. Oh, Bobby, Bobby, Bobby. Vous avez appris mieux et plus vite que tous ceux que j'ai rencontrés quelles étaient les règles du jeu en politique. Oui, je sens que je vais bientôt entendre de nouveaux conseils paternels. Écoutez bien, mon garçon. Tout ça n'est que rituel, que manœuvre. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est rien de plus. Et vos précieuses formules, c'est comme une drogue, ça vous exalte. Vous croyez avoir atteint un objectif, mais en réalité, ce n'est que poudre aux yeux et manipulation. C'est moi qui ai écrit une bonne partie du discours qu'il devait faire. Je sais. Voulez-vous que ma voiture vous dépose ? Non, je vais rentrer à pied, merci. Vous faites pas agresser. Et dites à Saxon que si je suis un con, il en est un autre. Appelez-moi. Je n'y manquerai pas. Monsieur Bishop, c'est notre deuxième rencontre dans la même journée. Ça ne peut être qu'une punition du bon Dieu. Bonsoir, Amanda. Je vous présente Jürgen. Jürgen, je te présente Bobby Bishop. Enchanté, Jürgen. C'est Jürgen, pas Jürgen. Oui, Jürgen, bien sûr. Jürgen, tu veux bien aller voir si notre table est prête? Ça m'intrigue, Bishop. Que savez-vous sur le député Page? Est-ce qu'il s'envoie sa directrice de campagne ou quoi? Je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Oh, vous savez aussi bien que moi que j'avais vu juste. À quel sujet? Peut-être pouvez-vous m'éclairer? Toujours extrêmement habile à ce que je vois. Non, je dirais plutôt irrésistible. Faites gaffe, Bishop. Je vais vous baiser deux fois mieux que vous m'avez baisé aujourd'hui. Voilà une chose que je vais attendre avec impatience. Et arrêtez de m'appeler mademoiselle quand vous vous adressez à moi à la télévision. Ah, je ne savais pas que ça vous ennuyait, mademoiselle. Bobby. Mon Dieu, professeur, vous m'avez fait peur. Je croyais qu'on devait se voir à 10 heures. Bobby, vous devez m'écouter. Il se passe quelque chose de terrible à l'intérieur du gouvernement. Et au plus haut niveau, il y a un ennemi de l'État et un traître. Enfin, professeur. Bobby, il y a... Oh, merde. Professeur. C'est pas vrai. Professeur.
s'il vous plaît. Ne la brûle pas, Pépère. Bobby, oui. Bon week-end. Passez un bon week-end. Oui, du moins ce qu'il en reste. Les escaragraphes. Bishop, pour vous, sur la 2, je le prends. Je dois te quitter. Au revoir.
Alors, elle a perdu les clés des bonnes notes. Jack, écoutez-moi. On m'a tiré dessus. Il y a une ordure qui me poursuit pour avoir ma peau. Ne la traitez pas d'ordure, Bobby. C'est probablement une très jolie fille. C'est pas une blague. On a tué Yuri Poshenko. Où êtes-vous? Je viens vous chercher. Retrouvez-moi au Georgetown Theater. J'y suis dans 20 minutes. 10. J'ai besoin de tous les hommes dont vous disposez. Je m'en occupe. Oh, Jack, n'en faisons pas toute une affaire. Le conseiller spécial du président dit qu'un homme a essayé de le tuer. Est-ce bien indispensable de monopoliser toute une équipe de sécurité? Je suis responsable de sa sécurité. Je ne vous crois pas. Je suis moins naïf que vous le pensez. Nous avons des preuves incontestables. Je ne me laisserai pas prendre à un piège aussi grossier. Ah oui. Et que dites-vous de ce document? C'est un faux. Vous finirez par parler. Vous n'obligez pas à utiliser des méthodes à nous réserver nos ennemis. Regardez, vous allez. Vous l'aurez pris. Le voilà. Deux de nos agents sont morts. Le tireur s'est enfui par l'échelle d'incendie. Et Bobby? Quelqu'un a vu si Bobby était touché? Non, il n'a rien. Un Dieu soit loué. Ce pays est en train de sombrer dans le chaos. Bishop est sur la une. Bobby, vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Nous ne savons pas, vous n'êtes pas blessé, où êtes-vous? Tout près. Poshenko se fait descendre, après d'étranges accusations à propos d'une affaire se préparant au gouvernement, au plus haut niveau. Ensuite, je suis poursuivi par un zombie avec un flingue. Je vous appelle et au rendez-vous, je trouve un type qui m'attend pour faire un carton. Faut pas être un génie pour deviner qu'il se passe un truc foireux au dernier degré. Eh bien, on s'est tous fait piéger, Bobby. C'est incroyable, mais en 10 minutes, on s'est tous fait piéger. Il faut que vous reveniez, Bishop. Dites-nous où vous êtes. Bobby, que vous a dit exactement Poshenko? Il a dit que quelque chose se préparait au plus haut niveau, qu'il y avait un ennemi, qu'on se surveillait tous. Il a dit que c'était ce programme qu'il avait mis en évidence. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai pas la moindre idée. C'est à vous de jouer, Bobby.
J'ai besoin d'un peu de temps. Je vous rappelle. Je sais où vous trouver. On devrait appeler le FBI, ainsi que la police. Ça, c'est au président d'en décider. Qui a fait ça? J'attends des réponses, messieurs. Cet homme est le conseiller spécial du président, dois-je vous le rappeler? Que faites-vous pour régler ce problème? Monsieur le Président, de toute évidence, nous avons affaire à un tueur professionnel. Nous menons une enquête à l'intérieur de nos services de renseignement. Oui, mais ce qui m'intrigue, c'est pourquoi Bishop? Parmi tous les hauts fonctionnaires, pourquoi s'en prendre à lui? Est-il mêlé à une affaire? On ne peut pas mettre en doute son intégrité. Retrouvez-le et menez votre enquête à terme, discrètement. Bobby a besoin de temps, monsieur, jusqu'à ce qu'il... Jusqu'à ce qu'il se fasse tuer? Voyons, Jack, nous devons le retrouver avant que cette affaire ne prenne de l'ampleur. Je suis entièrement de cet avis, dans l'intérêt de Bishop. Monsieur, nous sommes prêts. Vous pourrez me joindre à Camp David. Il vous considère comme son père, c'est quelqu'un de bien. Trouvez-le et mettez-le en sécurité. Qu'il revienne de son plein gré ou non. Bryce. Oui? Pas du FBI. Nous allons régler ça nous-mêmes. Oui? Frank, c'est Bobby. Il faut que je vous parle. Bobby. C'est pour vous excuser d'avoir étouffé l'affaire laissée tomber. Vous vous souvenez de l'article que vous aviez publié au printemps sur un gouvernement fantôme à l'intérieur de la Maison-Blanche? J'ai besoin de parler à vos sources. Vous aviez dit que cet article était absurde. Pourquoi avez-vous besoin de mes sources? Tout d'abord, je crois que ce n'est pas qu'une hypothèse. 4 ou 5 personnes ont déjà été tuées. Ensuite, je suis poursuivi par un cinglé qui veut me flinguer. Qu'est-ce que vous dites de ça? Pour quelle raison? J'ai besoin de vos sources, Frank. Je sens le scoop ou je m'y connais pas. Il vous faut combien de temps? J'ai besoin de 2 ou 3 heures. Il faut que je passe à la rédaction. Retrouvez-moi au News Café vers 5 heures. C'est juste en face de mon bureau. Ça marche. Le type qu'il vient d'appeler compose un autre numéro. Localise et continue de surveiller la ligne de Bishop. Écoute, Jürgen, quand je dis non, c'est non, hein? Hé, c'est Frank. Oh. Oh. C'est vous, patron? Oh, désolé. Écoutez, l'article sur un complot que vous avez écrit au printemps. Il faut contacter vos sources ce soir. Bobby Bishop dit qu'il peut apporter confirmation. Quoi? Retrouvez-moi au bureau. Ça urge. J'arrive. Ah, je l'ai. Givens, Amanda, 1258, 38e rue Nord-Ouest. Hé, hey, tu me files un dollar? Elle va te faire foutre! Thank you.
dans le quartier de Georgetown ont été surpris par des bruits de coups de feu. Un homme est mort et plusieurs personnes ont été blessées. Les noms des victimes n'ont pas encore été révélés. La police semble attribuer la fusillade devant le Georgetown Theater à un règlement de compte entre bandes rivales. Et maintenant, la suite de l'actualité. Les élèves de l'école de Greenfield dans le Massachusetts protestent contre... Bandes rivales, mon cul. Dans leur cantine, un élève de 11 ans a réuni les signatures de ses camarades et a adressé une pétition au directeur de l'établissement. Après une recrue... Mauvaise nuit, hein ? Pire que ça. Merci. Le vieux Buzz a encore pris une cuite. Bonjour, il est 6 heures passées de 2 minutes et voici le résumé de l'actualité de ce dimanche matin. Vous êtes avec Bella Chambers et voici les principaux titres. À Washington, le président a reçu vendredi les membres de la... Amanda. Oh, mauvaise nuit on dirait. Vous avez un sujet pour moi. C'est vous qui avez écrit l'article? Oui. Oui, j'ai un sujet pour vous. Si vos sources sont bonnes. Le bureau de Franck est à côté. On est là, Franck. 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 Allez, Franck, réveillez-vous. Venez. Venez. C'est pas vrai. Monsieur, on a besoin d'aide. Non, non. Vite. Vite. Vos sources. Bobby, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Pochenko. Je ne vous dirai qui sont mes sources que quand vous aurez daigné m'expliquer ce qui vient de se passer. Pochenko est mort. Le type qui a essayé de nous tuer lui a tiré une balle dans la tête. Je me trouvais là quand il s'est fait descendre hier soir. Dieu. Pochenko a essayé de me dire quelque chose à propos d'un traître dans le gouvernement. Il avait essayé de me dire qu'un truc se préparait dans l'ombre. Vous devez me dire ce que vous savez. Oui, c'était Pochenko. Lui et son groupe. Ils travaillent à partir d'une base de données qui met en correspondance tous les agissements des hauts fonctionnaires. Ils peuvent croiser les données et s'il existe des preuves de corruption ou de mauvaise gestion, de détournement de fonds ou de collusion entre ministères ou agences gouvernementales, leur programme les trouve. Et ils ont trouvé quelque chose? J'en sais rien. Après l'appel de Frank, j'ai essayé de joindre Pochenko. Je me suis même rendue au centre de recherche. Il n'y avait personne, c'était étrange. Tout avait été nettoyé, les disques durs n'étaient plus dans les ordinateurs. Et ça, vous y comprenez quelque chose? J'appelle la Maison Blanche pour qu'on vienne me chercher. Au rendez-vous, je trouve un type qui veut me mettre une balle dans la peau. Ensuite, c'est Frank que j'appelle. Je le fais en pensant que... Oh, les fumiers. Mon téléphone est sur écoute. Selon les premières conclusions de la police, le rédacteur en chef du Washington Herald aurait apparemment été victime d'un meurtre. D'autres détails dans la prochaine édition. Merci. L'ordinateur de Riddle était absolument vide. Et maintenant, notre bulletin... La police m'a dit qu'on n'avait trouvé aucune trace de poudre sur ses mains. Et les températures seront supérieures à la moyenne... Monsieur Grasso, qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps? On est dimanche matin et c'est pas une photocopieuse qu'on va installer.
Et justement, parce que nous sommes dimanche matin, vous devriez être capable de tout organiser plus rapidement. Je retrouve le bon vieux temps de la NSA. Dites donc, cette histoire, c'est bien digne du secrétaire général de la Maison-Blanche. Bobby Bishop est sous ma responsabilité personnelle. J'aurais jamais imaginé qu'on utiliserait notre système mobile pour traquer le grand Bobby Bishop. Allez, je vous explique. On entre dans le fichier des coordonnées de toutes les relations qu'il a sur trois états. Si Bishop appelle n'importe laquelle de ces personnes de n'importe quel téléphone, le programme identifiera sa voix en quelques secondes. C'est la même chose si c'est eux qui l'appellent. Ça revient à mettre sur écoute 1500 personnes simultanément. C'est génial, c'est absolument génial. Je sais, c'est moi qui l'ai fait. Allez-y, faites de l'autosatisfaction, M. Grasso. Il ne vous rappelle pas un peu James Cagney? Il faut que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. La police vient de nous envoyer cet enregistrement. Bishop est entré avec une femme non identifiée 3 minutes avant que Riddell soit tué. Il le recherche pour l'interroger. J'ai un inspecteur en ligne qui attend. Eh bien, dites-lui que nous ne savons pas où il est. Réveillez-vous, Monsieur Blaise. Excusez-moi, je voudrais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Vous habitez dans le quartier? Ouais, ouais. Nous essayons de retrouver un de vos voisins, un certain Robert Bishop. Vous l'avez vu par hasard? Oui? Allez faire un tour. Retrouvez-moi sous le pont de la 14e rue. Je serai là-bas dans 10 minutes. Le président veut que je vous ramène à la Maison Blanche. On se retrouve sous le pont. Bobby? Jack! Je ne sais pas dans quel pétrin vous vous êtes fourré, mais ce qui est sûr, c'est que la police sait que vous étiez sur les lieux quand Riddell a été tué. Si jamais ils découvrent que vous vous trouviez aussi avec Yuri Poshenko, enfin, indirectement, vous êtes... Je n'en sais rien. Poshenko a essayé de m'avertir qu'il se passait quelque chose à la Maison Blanche. Il a peut-être repéré un truc sur un officier informatique, j'en sais foutre rien. Si le problème est à l'intérieur, pourquoi restez-vous à l'extérieur à courir dans toute la ville? Soyez un peu raisonnable. La seule chose que vous allez gagner, c'est de vous faire arrêter ou tuer. Je ne reviendrai pas. Tant qu'on n'aura pas découvert ce qu'il foire, vous m'aidez ou non? Oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi, mais vous ne me rendez pas vraiment les choses faciles. Donnez-moi une ligne sûre. 56-9, 56-83. 56-8-3, je vous appellerai. 83. C'est promis. Surveillance de sujet sur voie du secteur 8 à 300. Pas du tout. On va essayer de me compromettre. J'ai noté toutes les informations dont je me souviens à propos de Poshenko et son groupe. Et une chose m'est revenue à l'esprit. Il lui est arrivé d'aller travailler dans l'appartement de son ami. Vous vous souvenez de Tamara? Oui, bien sûr. Il disait toujours qu'il avait eu ses meilleures idées chez elle. Vous savez où c'est? Tout près, dans Calvert Street. Espérons que nous y serons avant eux. Vous tenez le coup? Ils vont recommencer à nous pourchasser, hein. Partout où nous irons. Vous voulez la vérité? Non, mentez-moi, c'est ce que vous faites le mieux. Recherche d'identification fichier 307. Vous feriez bien de jeter un coup d'œil là-dessus. Quel est votre rôle dans tout ça, mademoiselle Rachoff? C'est la compagne et la confidente de Yuri Poshenko.
Ça répond toujours pas chez Tamara. Attendez, il y a une astuce. Si vous voyez quelque chose qui vous paraît louche, un type qui pourrait être un tueur, klaxonnez deux fois. À quoi ça ressemble, un tueur ? Servez-vous de votre intuition. On va arranger ça. Oh putain, c'est de la caisse ça. Liste de ceux par lesquels Bishop doit commencer. Nous devons dire à Bishop Lawrence Blackburn, chef d'état-major des armées. Peut-être puis-je vous aider.
excellent réflexe, mademoiselle Givens. Vous avez trouvé quelque chose? Oui. J'ai trouvé Tamara étranglée. Elle avait une liste de personnalités sur lesquelles Poshenko enquêtait. Les rapports de police commencent à arriver. Monsieur, vous devriez regarder. Il y a eu un meurtre à Calvert Street. La victime, c'est cette Tamara Rachoff. La description correspond à Bishop. Le témoin l'a vu s'enfuir en jeep avec une femme. La police a l'immatriculation? Ça, c'est négatory qui n'en ont qu'une partie. Ça suffit pour lancer les recherches, remarquez. Je vais vous dire, Bishop, c'est devenu le train de la mort. Là où il passe, tout le monde trépasse. Gardez pour vous vos brillantes métaphores, s'il vous plaît, Charlie. Et négatory est un mot qui n'existe pas. Bon. On va s'y mettre. On a la marque, le modèle et une partie de la plaque. Je veux un renvoi croisé de toutes les relations de Bishop qui ont un véhicule similaire. Vous plaît? Vous ne m'aviez jamais emmené dans un endroit aussi charmant. Comment ça va? Comment vous trouvez? Vous êtes bien amoché. Murphy, ministre des Finances. Général Blackburn. Kettler, président de la commission des finances du Sénat, mais c'est insensé. Qu'est-ce que ces gens ont en commun? Ne croyez pas que l'un d'eux pourrait être un traître. J'ai un dossier sur chacun. Quoi? J'ai appris ça avec Conrad. J'ai des dossiers sur ces gens-là. Laissez-moi deviner où. Oui. Vous n'avez qu'à appeler Conrad et lui demander de les sortir? Non. Celui qui dirige l'opération a probablement mis toute la Maison Blanche sur écoute. Si j'appelle Jack, ce sera la prochaine victime. Un autre meurtre a été commis. Et Bobby était malheureusement cette fois encore sur les lieux. La police a lancé un avis de recherche contre lui. Il s'agit peut-être d'un coup monté pour le discréditer. On cherche à le faire tomber. Monsieur le Président, j'ai appelé la CIA et la NSA. Donnez-moi des informations, messieurs. Ils n'en ont aucune à nous donner. Mais nous ne pouvons pas écarter la possibilité que Bishop ait été retourné par un de nos ennemis. Nous ne devons rien exclure. Jack, qu'en pensez-vous? Je pense que nous devons le ramener, monsieur. Ce n'est qu'ainsi que nous saurons ce qu'il en est. Très bien, bonne nuit. Bonne nuit. C'est curieux comment 24 heures dans cette ville, on peut se retrouver du mauvais côté de la barrière. S'ils sont malins, ils vont régler ça intramuros. C'est comme ça que Jack s'y prendrait. Sinon, ça veut dire qu'ils suivent l'idée de Saxon, et les gardiens vont nous rechercher. Si nous arrivons à passer les contrôles de sécurité, une fois que nous serons à l'intérieur, ils entreront mon nom sur leur ordinateur. Si le système est surveillé, il se peut que nous n'ayons pas plus de 5 minutes. Amanda, vous pouvez vous en aller, si vous voulez. Non, vous avez besoin de moi. Non? Je pense que nous avons 50% de chances de réussir. Jamais vous ne le direz. On a assez bavardé. Contrôle d'identification, s'il vous plaît, monsieur Bishop. Amanda Givens, Washington Herald, B5. Allez-y. N'oubliez pas de surveiller ce qui se passe quand ils auront entré mon nom. D'accord.
Si l'écran se met à clignoter, filez en vitesse. Je peux vous renseigner ? Oui, je... Robert Bishop a demandé à me voir tout de suite. Il a dit que vous pourriez m'aider à le trouver dans la maison, c'est possible ? Puis-je voir votre badge, s'il vous plaît ? Bien sûr. Voyons où il a été localisé. Oh, excusez-moi, je suis désolée. C'est rien. Ça m'arrive 10 fois par jour, je suis confuse. Rien du tout. Je n'ai pas d'indication d'entrée sur mon programme. Dans ce cas, je vais attendre. Merci. Oui ? Salut Georges, comment ça va ? Ça va. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez encore pris une cuite ? J'en ai pris 2, Georges. J'avais de la visite. Tiens, vous voilà. Je vous cherchais. Comment va votre femme ? Elle va bien, monsieur Bishop, merci. Bon, c'est bien. Vous lui transmettrez mes amitiés ? Je ne manquerai pas. Ah, je suis désolé. Est-ce que je dois laisser ça oui, ici ? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Dépêchez-vous, mademoiselle Givens, nous n'avons pas toute la journée. Comment vont vos parents, Mike ? Ça va comme ça, monsieur Bishop. Je te tiens, ma poule, Amanda Givens, 1A1142. Je te tiens. Et maintenant, je te lâche pas. Sauvegardez vos données et recommencez. Fermeture du fichier dans 2 minutes. Qu'allez-vous faire ? Un jour, Conrad m'avait montré une porte dérobée pour entrer dans sa base de données. On change les mots de passe toutes les semaines et il aurait tendance à les oublier. Alors, si j'ai la chance de m'en souvenir... Bien joué. Justice Toynbee, et voyons ce qu'ils ont sur vous. Regardez. Classé secret. Actif et secret. C'est Oliver Murphy. Idem. Lawrence Blackburn. Lawrence Blackburn. Merde. Décryptage en cours. Données transmises sur le terminal. Hey Jack. Vous avez interrogé la base de données du NSC ? Je suis là, monsieur Grasso. Je suis là avec vous. Comment pourrais-je avoir interrogé quoi que ce soit sans bouger ? Eh ben, quelqu'un l'a fait. Et il s'est servi de votre nom. Regardez, ça me plaît pas du tout. J'essaye encore un nom.
Qu'est-ce que c'est que ça? Liste de transfert. Transfert vers quoi? Un répertoire spécial rien que pour moi. C'est pas vrai. Appelez Conrad, 5683. Jack. Bobby, le président m'a donné l'ordre de vous ramener. Où êtes-vous? Écoutez ça. Trois des hauts responsables du cabinet ont un dossier actif et classé secret dans la base de données du NSC. Des dossiers actifs? Mais qu'est-ce que ça veut dire actif? Pourquoi m'a-t-on mis sous surveillance? Voyons, c'est ridicule, sous surveillance. C'est sur votre saloperie d'ordinateur. Mais Bobby, vous n'êtes pas sous surveillance. C'est enregistré dans la base de données, ne me dites pas que personne ne le sait. Mais moi, je ne suis pas au courant. Enfin, comment pourrais-je le savoir? Jack, il est dans la maison. Trouvez-le. Faut qu'on parte. Vite, venez. Dépêchons-nous. Activez l'alarme silencieuse. Oh merde, l'alarme silencieuse. C'est quelque chose, ce type-là, hein? C'est un jeune homme très brillant. Cassez la verrière, Rowling, et ouvrez-nous. Fais pas de bêtises, petit! Venez! Allez-y. Ils sont plus bas. Appelez l'ascenseur, ça les fera remonter. Ah.
Dis-moi où il est. Avec sa charmante épouse, sa ravissante maison au milieu des collines verdoyantes de la Virginie. Depuis le début, il nous a couillonnés. J'avais confiance en ce fumier. Il a fait descendre Voshenko. Mais maintenant que nous savons que c'est Conrad qui commande l'opération, il faut découvrir ce qu'il prépare. Si on verse de l'eau dans le trou, il aura fini par sortir. Ça sait nager, hein, comme ça. La police a lancé un avis de recherche contre Bishop et Amanda Givens pour les interroger au sujet des meurtres. Monsieur Grasso, transmettez les caractéristiques du véhicule d'Amanda Givens à notre satellite. Immédiatement. Pour trouver une voiture? Pour ça, il faudrait que je suspende l'activité satellite à Cuba, ou peut-être même au Moyen-Orient. Faudrait qu'on ait une autorisation... Et de moi, c'est moi qui vous y autorise. Je vous écrirai ça noir sur blanc. Maintenant, faites-le, c'est dans l'ordre. Vous avez de la visite. On va essayer par derrière. Alors ? Personne. Allons-nous-en. Dites-leur. La base ? On rentre. J'ai une pellicule infrarouge. Il y a des objectifs. Par ici. Affichez-les sur le moniteur 2. La plaque correspond. C'est celle d'Amanda Givens. Jack! Sélection de la grille 48. Où est le véhicule? Dans la rue, à 200 mètres de son appartement. Blythe, envoyez vos hommes immédiatement.
c'est dingue, je meurs de faim. Vous avez des amis dans l'immeuble? Oui, quelques-uns. On pourrait peut-être vous prêter une voiture. Je suis pas sûre que j'appellerais ça une voiture. Conrad. Oui, monsieur Conrad, je suis sûr que vous savez qui c'est. Non, je n'en sais rien. Je suis censé deviner. Eh bien, nous avons failli nous rencontrer sur le toit de la Maison Blanche tout à l'heure. J'écris un article d'après la théorie du professeur Yuri Poshenko et ses associés. Sur la déloyauté du gouvernement? Oh, désolé, j'ai dit théorie. Je voulais dire des faits, monsieur Conrad. Ces dangers étaient témoins aujourd'hui. J'ai pensé que peut-être vous aimeriez ajouter un commentaire avant la publication. En général, j'ai pour principe de ne faire aucun commentaire à la presse, parce que je suis persuadé que la presse publie pour vendre. Son but n'est pas d'informer, ne dit pas la vérité. J'ai la chance d'avoir une source assez sûre, monsieur Conrad. Un certain Bobby Bishop. Vous connaissez Bobby Bishop, n'est-ce pas, monsieur? Bien sûr que je connais Bobby Bishop. Et je ne l'abandonnerai jamais. On ne l'a pas localisé. Ça a marché? J'en sais rien. Il a essayé de faire traîner. Laissez-moi seul, je vous prie. Oui, monsieur. Allons prendre l'air. C'est Conrad. Personne ne leur a prêté leur véhicule. D'habitude, ça me libère l'esprit de venir ici. Comment va votre dos? On va me reconstituer un disque dans 2 mois. Ce maudit accident m'a fait perdre mon swing. Vous m'envoyez navré. De conduire moi-même. Alors, Jack? Je crois
crois que... Vous m'avez dit il y a 2 heures que Bishop n'était pas un problème pour nous. Non, j'ai dit qu'il ne connaissait pas encore l'objectif de notre opération. Mais maintenant, avec cette, comme vous dites, emmerdeuse d'Amanda Givens, je crois que nous devrions réfléchir, peut-être même tout repenser. Il vaudrait mieux attendre. Celui qui hésite est perdu. C'est vous qui dites ça. Est-ce possible? C'est l'expression que vous avez employée la première fois que nous en avons parlé. Nous n'avons plus le temps de réfléchir. Notre cible arrive à 7 heures de Camp David. Ce qui est entre nos mains, c'est l'avenir de la nation. Il se peut que nous n'ayons jamais plus une occasion comme ceci. Jamais. Comme le pauvre chat de l'adage. Le chat voulait attraper le poisson, mais il ne voulait pas se mouiller les pattes. Demain, à midi, comme prévu, nous assassinerons... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez peur, Jack? Et revoir votre discours pour le repas de charité. Si vous appelez la Maison Blanche, ils vont localiser l'appel et nous retrouver en quelques secondes. Si j'ai la chance de tomber sur lui, ça n'a pas d'importance. Saxon. Allô? Allô, qui est-ce? L'immatriculation du véhicule prêté par les voisins et il est recherché par le satellite de surveillance et notre dispositif au sol. Je vous garantis qu'on les tient dans une heure. Et maintenant, Bobby, qu'est-ce qu'on va faire? Si j'arrive à voir Conrad, on a une chance d'éviter le pire. S'il croit que nous avons un enregistrement de sa conversation. Ce que, bien sûr, nous n'avons plus. Oui, seulement ça, il ne le sait pas. Nous avons repéré un autre véhicule. Vérifiez les plaques. Gris 104. 4H. Agrandissement au maximum. Mise au point. Ça y est, on a mis dans le mille. On va les piéger. On le tient. On tient Bishop. Où se trouve le véhicule? Ils l'ont garé sur Connecticut. Appel à toutes les unités. Convergez sur Connecticut. Je pourrais aller à Adams Hall? Si vous ne trouvez pas Conrad, je pourrais essayer de retarder le discours avec un peu de chance. Comment? Je n'en sais rien. Je suis sûr que vous avez une idée. Je vais voir. Amanda? Vous aviez raison. J'ai besoin de vous. Je vous en prie, soyez prudent. Le sujet numéro 2 sort du champ de vision. C'est bon, je te tiens. Ouais, elles vont bien vous aller, celle-là. Donnez-moi aussi une casquette. Bien sûr, mon vieux. Merci. Ah, c'est bon. Merci. Restez sur lui. C'est bien. C'est bon, on lui colle au train. Restez sur lui.
Sujet non localisé dans le champ. Mais où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vous attendent, monsieur. Tout va bien, monsieur ? Ça va, oui, tout va très bien. Je vous rejoins dans un instant. Accélérer. Quoi ? Vous voulez que je prenne une prune ? Qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit Adam's Hall. Hein ? Avec des potes comme les vôtres, on prend le train, bordel de merde ! Foutez-moi le camp ! Thank you.
Réception, réception, 1, 2, 3, 4. Essai, 1, 2, 3, 4. Réception, 1, 2, 3. Essai, 1, 2, 3, 4. Je vous le rends. Allez-y. Il vient d'entrer. Il y a 2 minutes. Il faut que j'arrive à entrer. J'ai une idée. Bonne chance, Bishop. Amanda, attendez. Laissez tomber. C'est trop tard. Je ne peux pas. C'est un fait accompli. Restez en dehors de ça, Bobby. Sinon, vous vous ferez tuer. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Quel est l'enjeu pour vous? Ce n'est pas pour moi. Vous ne comprenez rien. Ce n'est pas pour moi. C'est pour notre pays, pour l'ensemble des Américains, pour vous, pour cette stupide journaliste qui est votre ami. Mon cul, oui. Saxon est un médiocre. Vous savez très bien que c'est vous qui dirigerez le pays. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. C'est ce que fait déjà le président. Cet homme est un malade, Bobby. N'oubliez pas que quelques millions de personnes ont quand même voté pour lui. Parce qu'ils se sont fait avoir par vos foutues formules de merde. Un jour, vous m'avez dit que je n'étais pas du genre à me battre pour mes convictions. Vous vous trompiez. Bobby. Vous vous trompiez. Bobby. Bobby. Oh, Seigneur. Thank you.
Merci, Bobby. Vous n'êtes pas blessé? Attention! Non! Une de mes sources m'a dit que Bobby Bishop était nommé secrétaire général. Il va diriger le nouveau programme du président. Ah oui? Oui. Vos sources sont fiables? On verra. Venez, je vous offre un cornet de glace. La star des journalistes essaye de soudoyer une de ses meilleures sources. Vous savez, Bishop, peut-être que vous commencez à me plaire. Ça vous reprend ?